Le Seigneur lui a donné la nature. D'un arbre. Afin de porter des fruits. Et la Bible dit. Nous sommes plantés. Au bord d'un ruisseau. Il s'agit de quel ruisseau? Votre, nous comprenons ce principe. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe quel type de ruisseau. Le ruisseau dont il est question ici s'appelle le torrent de délices. Le torrent de délices. Le torrent de délices. Et, alléluia, le résultat du ruisseau. Alléluia. Amen. Amen. Qui provient de l'eau qui coule du trône de Dieu. La Bible nous dit, quand tu lis la Bible, qu'il y a un fleuve d'eau qui sort du trône de l'agneau. Et l'eau qui sort de là. Amen. La Bible nous dit dans le paradis que cela forme un torrent. Et le torrent formé par l'eau qui sort du trône du Dieu vivant s'appelle le torrent du délice ou bien des délices. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dans le psaume 23, David dit que l'Éternel le conduit vers des eaux. David te promena après toi le pluie, en effet dans ma eau. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est toujours la même révélation. Je crois que le Seigneur nous donnera le temps de venir sur cette révélation. Et de l'expliquer un autre jour. Mais ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a un fleuve d'eau qui sort du trône de l'agneau. Alléluia, qui forme le torrent de délices. Et le torrent de délices là est le partage des enfants de Dieu. Est le partage des chrétiens. Et c'est le torrent là. Alléluia. Qui permet à ce que nous qui sommes des arbres. De toutes sortes de fruits. Nous puissions porter des fruits en abondance. Et la Bible nous dit que le torrent là fait que chaque mois, que quelqu'un dit chaque mois, que quelqu'un dit chaque mois, ça veut dire dans le mois d'octobre dans lequel nous sommes en train d'entrer. Ça fait que chaque mois, nous portons des fruits. Donc le juste, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, près d'un ruisseau, près du torrent de délices. Et le torrent de délices là, de faire porter des fruits. Que quelqu'un dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, je porte des fruits quand je pars au torrent de délices, au torrent de délices, au torrent de délices. Je ne peux pas quelqu'un dire amen. Alléluia. La Bible dit qu'on est à planter près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. C'est-à-dire quand tu as pas au torrent d'eau là, tout ce que tu fais te réussit. Je suis là pour proclamer la réussite dans ta vie. La réussite sur tout ce que tu fais. À partir d'aujourd'hui, la réussite remplace l'échec dans ta vie.
Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne peux tout pas me dire Amen. Je dis la réussite remplace l'échec. Et tout ce que tu fais réussit. Parce que tu as part au torrent de délices. Au nom de Jésus, que quelqu'un dit au nom de Jésus. Que quelqu'un dit au nom de Jésus. J'ai part. J'ai part. J'ai part. La vie et la mort se trouvent au pouvoir de la main. Et celui qui l'aime en mangera des fruits. Quand tu le crois, quand tu le proclames, je t'assure que tu manges le fruit au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, chacun doit savoir qu'il doit avoir part au torrent de délices. Et une des prières que nous allons faire ce soir, c'est d'activer dans nos vies le torrent de délices. Si quelqu'un a compris, n'attend pas Amen. Nous allons lire dans Ézéchiel 47, le verset 12. Ézéchiel 47, le verset 12. Si tu es là-bas, dis-moi Amen. Amen. Tu es là-bas, dis-moi Amen. Ézéchiel 47, verset 12 nous dit. Sur le torrent. Amen. Je vais monter un peu avant de revenir sur le verset 12. Amen. C'est Ézéchiel qui a la révélation de l'eau là. Il me ramena vers la porte de la maison. Le verset 1. Ézéchiel 47, verset 1. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. On est en train de lui montrer quoi? Le temple de Dieu. Et l'eau sortait du temple. Le livre des Apocalypse nous dira que l'eau la sort du temple. Trône de l'agneau. Et car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Amen. Donc il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Et je fus faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Amen. Il ne conduisit pas le chemin de la porte septentrionale. Amen. Et tu es devant moi. Amen. Et je fus faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur. De la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Maintenant, l'eau là qui sort du seuil. Le verset 12 nous dit que l'eau là est devenue un torrent. Verset 12. Et sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Qui sont les arbres fruitiers là? Selon Somme 1, le verset 3, la Bible dit
que c'est nous qui constituons les arbres fruitiers là. Si tu as compris, dis-moi amen. Donc il tout sort d'arbres fruitiers croîtra, alléluia, de chaque côté, amen, des bords du torrent. Leur feuillage ne se flétrira point. Ça rejoint les mêmes paroles du psaume 1, le verset 3. Et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois. Amen. Amen. Donc, la Bible dit nos fruits mûriront tous les mois. Chaque mois, tes fruits vont mûrir. Le mois d'octobre, tes fruits vont mûrir. Le mois de novembre, tes fruits vont mûrir. Le mois de décembre, tes fruits vont mûrir. Leurs fruits mûriront chaque mois. Que quelqu'un dit chaque mois. Mais là, quand nous sommes à la porte de ce mois-là, qui est le mois de... Alléluia. Octobre. Qui est le 10e mois? Le fruit est en train de mûrir pour toi. Le fruit est en train de mûrir pour toi. Que quelqu'un dit au nom de Jésus, je mangerai les meilleurs fruits du mois d'octobre. Je le proclame, je le déclare, je le décrète et je le confesse. Au nom puissant de Jésus, je ne peux pas dire amen. Donc il est important ici de souligner que les fruits là mûriront pour nous. Amen. 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 Et la Bible dit ils mûriront tous les mois. Pourquoi les fruits vont mûrir? Pourquoi tu vas manger les fruits de chaque mois? Pourquoi tu vas porter les fruits chaque mois? Écoute maintenant la raison. Et parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Amen. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Donc, ce qui veut dire que c'est l'eau qui sort du sanctuaire et qui devient le torrent de délices qui constitue la source de cette bénédiction. La source du fait que tu dois produire des fruits chaque mois. La source de ce que tu dois manger des fruits de chaque mois. C'est bon de savoir que tu dois manger les fruits de chaque mois. Mais c'est mieux de savoir que c'est parce que l'eau sort du sanctuaire que tu pourras manger les fruits de chaque mois. Parce que c'est l'eau qui sort du sanctuaire. C'est l'eau qui sort du trône de l'agneau. Qui fera mûrir les fruits là que tu mangeras chaque mois. Donc je ne vais pas seulement demander les fruits là, mais puisque je sais que c'est les eaux là qui sont à la base de la production de ces fruits, je vais demander le torrent de délices là. Que cela abreuve ma vie. Que cela abreuve ma vie. Que cela abreuve les yeux de ma mère. Et que je porte des fruits. Que chaque mois, je porte mes fruits. Au nom puissant de Jésus, je ne peux pas dire amen. Je vais demander encore quelque chose. Je te demande ces choses-là. Je t'amène. Alléluia. Dans les révélations cachées du royaume. Seulement que je ne peux pas enseigner, je n'ai pas le temps pour enseigner. On est là pour prier. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit j'aurai le temps de revenir sur ça. Et nous allons nous asseoir. Alléluia. Au pied du Seigneur. Pour apprendre. On va passer dans l'évangile.
dans les versets. Et on va apprendre. Psalm 36. Amen. Amen. Psalm 36, le verset 7. Le verset 7 à 9. Psalm 36, le verset 7 à 9. Nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Allons de tes ailes. Les fils de l'homme cherchent un refuge. Verset 8. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. L'abondance de la maison de Dieu. L'héritage est sain dans la lumière. La Bible dit, il se rassasie de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Tu les abreuves au torrent de tes délices. C'est-à-dire le torrent de délices. Dieu nous accorde le torrent là. C'est pourquoi la Bible dit le juste ressemble à un arbre qu'on a planté auprès d'un ruisseau. Ton âme se repose. Alléluia. Amen. Amen. Au bord du torrent de délices. David dit il me conduit vers des eaux paisibles. Dieu a ouvert les yeux de David. David a vu que Dieu a amené son âme au bord, alléluia, des eaux paisibles. Il s'agit de quel eau? Il s'agit du torrent de délices. C'est pourquoi David revient et dit dans son âme, verset 3, il dit le juste, il est comme un arbre planté au bord d'un ruisseau. Et nous aussi, on trouve les seuls mauvais par les temps, toi, mais on promène en la joie, tu es avec ton bout, à elle et à elle, à tout le monde. Et il porte son fruit dans sa saison, et tout ce qu'il fait, il réussit. Non, je n'ai pas voulu, tu es venu, c'est un micro là, et tu es là, tu es. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que le torrent de délice est la cause de cette réussite. C'est pourquoi dans Psaume 36, la Bible revient maintenant pour nous dire le juste est abreuvé au torrent du délice. Au torrent du délice. Alléluia. Et il se nourrit, il se rassasie de l'abondance de la maison de Dieu. Je vois l'abondance de la maison de Dieu dans ta vie. Ton Dieu ne sera pas riche, tandis que toi tu seras pauvre. Je dis, je vois l'abondance de la maison de Dieu dans ta vie. Amen. Ton Dieu ne sera pas, alléluia, le Dieu de la prospérité, le Dieu de l'or et de l'argent. Et l'or m'appartient, l'argent m'appartient, tandis que toi tu seras misérable. Je dis, je vois l'abondance de la maison de Dieu dans ta vie. Amen. Donc la Bible dit, il nous rassasie de l'abondance de sa maison. Sois rassasié ce soir. Amen. 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 Je le proclame sur ta vie. Amen. Je le proclame sur ton âme. Amen. Je le décrète sur ton âme. Amen. Je le confesse sur ton âme. Amen. Je le décrète sur ta vie. Amen. Je ne perds sous ta vie. Amen. Amen. Voyez. Quoi? Il les abreuve au torrent.
David a fait l'expérience de ce temps. David, c'est pourquoi il en parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te visite ce soir. Je te connecte avec ce torrent ce soir. Je te connecte avec ce torrent ce soir. Je te connecte avec ce torrent ce soir. Je te connecte avec ce torrent. Sois abreuvé. Que ton âme soit abreuvé. De ce torrent-là. 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 Au nom de Jésus. Ils portent leurs fruits chaque mois. Nous les tombons à tous les fois. Alléluia. Nous allons faire certaines prières stratégiques. Alléluia. Après, je vais parler quelques 5 à 10 minutes pour vous expliquer ce que c'est que ce mois. Et on va encore prier. Et on va continuer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Mettons-nous sur nos pieds, nous allons prier. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, oh, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, oh, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester. Seigneur Jésus, et va chercher le bois de pain avec le sang de l'agneau.
Alléluia. Puisque le Seigneur a réservé une dispensation mensuelle. C'est-à-dire, le torrent qui sort du trône de l'agneau, qui devient le torrent des délices, ça vous fait porter des fruits chaque mois. Et tu veux dire que la grâce du Seigneur, alléluia, nous fait produire des fruits chaque mois. C'est une dispensation divine. Alléluia. Puisque la dispensation est mensuelle, donc le chaque mois constitue une porte des temps. Chaque mois constitue une porte des temps. Tu vas déclarer au nom de Jésus que c'est avec le sang de l'anneau que je franchis les portes du mois d'octobre. C'est avec le sang de l'anneau que je franchis les portes du mois d'octobre. Thank you.
Rock that man, 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 rock that
avec toi. Alléluia. Amen. Nous allons continuer la prière. Oui, il est de beau là. Comme je l'avais dit, c'est mieux de savoir que nous devons manger les meilleurs fruits de chaque mois. C'est bon de le savoir. Mais c'est encore mieux de savoir que cela provient, amen, des torrents de délices. La Bible dit, je me rassasie de l'abondance de sa maison. Il m'abreuve au torrent de délices. C'est comme la Bible dit, le juste est comme un arbre planté au bord d'un ruisseau. Ces feuillages ne peuvent pas flétrir. Alléluia. Mais ces feuillages restent toujours verts. Mon ami, les feuillages resteront toujours verts. La couleur verte, c'est la couleur de la prospérité. Les feuillages resteront toujours verts. Je ne vous parle pas, mais les feuillages resteront toujours verts. Le conduit près des eaux paisibles. Il est le juste. Il est comme un arbre planté au bord du torrent. Mais c'est qui l'a vu? Il est au bord du torrent de l'autre côté. Il avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Oh my God. Alléluia. Mais c'est qui l'a voyant les arbres fruitiers. Et était en train de voir les tunnels de Bostra. Oh my God. Mais c'est Pierre envoyant. Alléluia. Les arbres fruitiers de toutes sortes au bord de ce torrent-là. Il mettait les qui avaient pas à t'écouter. Oh, merci, le ton bois, toi. Il était en train de voir. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est en train d'écouter ma voix ce soir. Je suis comme un arbre
Je ne peux pas avoir un Dieu de guérison, mais demeurer dans la maladie.
Son nom c'est Jehovah Rapha. Le Dieu qui nous guérit. Je ne peux pas avoir un Dieu de justice mais demeurer, alléluia, oppressé, alléluia, avec quelqu'un qui a bouté hors de ses croix. Tu vas demander l'abondance de sa maison. Parce que tu as pas à ce temps. Tu prends des fruits chaque mois. Tu manges des fruits de chaque mois. Et tu as pas à l'abondance de sa maison. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Leurs fruits serviront
de nourriture. Les fruits que tu portes. Alléluia. Vont enrichir ta vie. Vont résoudre tes problèmes financiers. Vont t'amener à l'élévation et à la gloire. Mais les fruits seront de nourriture. Et la feuille de remède. Vous voyez, il y a quelque chose de guérison qui est là. Allez, quand tu n'as pas autorisé de guérison, même que cela produit en toi, apporte la guérison. Et ça apporte en quelque sorte des remèdes au travers de toi. C'est pourquoi maintenant tu imposes la main aux malades, les malades sont guéris. Parce que tu n'as pas autorisé. C'est repos sur toi. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est le plus facile? Sois retenu que le Seigneur te guérit. Ou de te dire, essaie de tourner pour voir. Si tu peux encore sentir cette maladie. Parce que maintenant je le programme sur ta vie. La maladie disparaît. Et nous avons déclaré que nous avons part au torrent de délices. Nous avons part à la guérison. Nous avons part à la restauration. Nous avons part à la bonne grâce. Nous avons part à l'élévation que tu peux élever à moi là. Oui, maintenant, on a déjà tout. Le corps de la parole.
Thank you.
I got a little
Je vous lève la politique au nom puissant de nos Seigneurs. Je ne veux pas que quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Sous d'autres précieux. Et si vous boitez, les gens sont déjà rentrés dans le mois d'octobre. Mais si vous boitez, à mon père, octobre, mais ici, nous sommes à une minute. Quand on capote les cas. De rentrer dedans. Et je veux dire à quelqu'un que le mois d'octobre, alléluia, amen. C'est le mois des jugements, alléluia, amen. Et des décrets divins. C'est le mois des jugements et des décrets divins. Tu vas prier. Tu vas déclarer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la foi de l'Éternel. Et par la justice. Et tu m'as été accordé. En Jésus-Christ, je l'ai soumis. En Jésus-Christ, je l'ai soumis. Je déclare, je au nom de Jésus, je l'ai soumis. Le jugement divin, tu peux me... le jugement divin, tu peux me... dans toutes les situations, non, 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 dans toutes les situations, non, 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 qui se lèvent contre ma vie, et je proclame. Yeah.
Dans sa maison, le dixième mois. Qui est
roi de Tibet. Il gagnait Tibet. La 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Alléluia. Amen. Je veux m'arrêter là-bas. Hello. Amen. Et donc c'est à partir de là. On a commencé par l'appeler étoile. Étoile. Parce qu'il y avait l'étoile en elle. Mais l'étoile, ça ne s'est jamais révélée. Donc pourquoi on l'appelait Hadassa? Mais lorsque l'étoile s'est révélée, le deuxième mois, on a changé son nom. Comme l'étoile va se révéler, on va changer ton nom. L'étoile de Jésus. Et il me souvient de la Bible dit les mages ont vu son étoile. Alléluia. Même les mages là marchent le matin. Ils marchent le matin, ils voient l'étoile. C'est pourquoi ils marchaient de nuit, ils marchaient de jour. Si c'est seulement la nuit qu'ils voyaient l'étoile, c'est seulement la nuit qu'ils vont marcher. Mais ils marchaient la nuit, ils marchaient le jour parce qu'ils voyaient l'étoile la nuit, ils voyaient l'étoile le jour. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus s'appelle l'étoile du matin. Alléluia. Je dis, papa, voir l'étoile qui est en toi. Alléluia. On a appelé quelqu'un à Hadassa. Mais quand on a vu son étoile, on a changé son nom. On a appelé Esther. Qui est devenue étoile. Qui est devenue lumière. Alléluia. On voit tout l'étoile. Parce que votre âme, à partir de ce mois-ci, je peux vous soigner. Amen. Va juste révéler ton étoile. Et on te conduira auprès des rois. On te conduira auprès des rois. On te conduira auprès des rois. Je ne sais pas quelqu'un dit Amen. Alléluia. Je l'ai dit, je n'ai pas le temps. On va encore prier. Mais si tu es là-bas, dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Oh, dis-moi Amen. 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 Dans Genèse 8, le verset 5. On ne sait pas, mais pas encore étant béni. Genèse 8, le verset 5, la Bible nous dit. On ne sait pas, pas encore étant béni, mais encore bon ami. Lorsqu'il y avait eu le déluge. Amen. Au temps d'Esther, c'était la déportation. Ils étaient partis en captivité. Maintenant, au temps de Noé, ils étaient partis où? Alléluia. Déluge, les gens sont morts. Amen. Au temps de Noé. La Bible dit, les eaux allaient en diminuant jusqu'au 10e mois. Et si avant les victimes, le dixième mois, quelque chose arrive toujours. Mais que les dispensations de Dieu se révèlent dans ta vie le dixième mois. Amen. Ce mois de temps, que quelque chose se produit dans ton cas, que quelque chose se produit dans ta bataille, que quelque chose se produit au nom de Jésus. Que quelque part, amen. Mon père n'a pas tout donné, mais la tombe. Mon père n'a pas tout donné. Parce que tu ne crois ça s'accomplit. Amen. Je suis revêtu du manteau céleste, du manteau de Christ, pour faire connaître la volonté de Dieu. Et je proclame ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus, les esprits de Dieu ouverts sur ta vie. Quelque chose de nouveau se passe dans ta vie. Amen. Le dixième mois, le
mois, oh my God. Puisque tu es mort pendant le 10 mois. Le premier jour du 10e mois. Le 10 mois, il y a peu de temps. Quand ils ont mis le premier. Et il me continue pas pour le 10e mois. Le premier jour. Oh my God. Je suis dans le premier jour du 10e mois. Le premier jour du 10e mois, apparurent les sommets des montagnes. Merci, et moi, je vais te faire un peu de temps. Tout le monde est tombé à mes yeux. Les montagnes, c'est les élévations. Et tout le monde tu es une montagne. Tu es incontournable. Tu es une gloire. Et tu es une étoile. La montagne représente la même chose que une étoile. Et tout le monde est tombé à mes yeux. Alléluia. Amen. Mais. Les montagnes la furent submergées par l'eau. Et si l'eau est tout yao, donc personne ne peut plus voir ces montagnes. Personne ne peut plus voir leur hauteur. Personne ne peut plus voir leur gloire. Mais la Bible le dit, viens voir. Le premier jour, le sommet des montagnes est apparu. Je dis la montagne que tu es en Jésus. Dans ce dixième mois, ta tête apparaît. Amen. Ta tête apparaît. Amen. Ton sommet apparaît. Amen. Quelqu'un voit à partir de maintenant Amen. Le don et le talent que Dieu a mis en toi. Amen. Je ne t'écoute pas dire Amen. Amen. Il est dit, William, c'est tout pour ta baisse. Mais Jésus-Christ, on peut te remettre pas ton nom. Oh, thank you, Jesus. On nous dit qu'on voit des noms. Le sommet des montagnes. Et tout pour ta baisse. Le dixième mois. Le sommet des montagnes. J'ai dit, tu apparais dans ce visage. Et ta réelle capacité apparaît aux yeux de l'homme. Ta réelle personnalité apparaît aux yeux de l'homme. Ceux qui sont méprisés verront la gloire de Dieu dans leur vie. Ceux qui n'ont fait de toi aucun cas, reviens donc pour t'adresser des supplications. Amen. Moi, je ne t'écoute pas dire Amen. On conduisit Esther devant le roi. Elle est plus, Hadassa, elle est devenue Esther. Le troisième, sa gloire a apparu le dixième mois. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque les déluges ont couvert toute la terre, et que toutes les montagnes ont couvert, le dixième mois. Et la Bible répète ça une seconde fois. La Bible dit c'est bon de lire la Bible. La Bible dit que les gens allaient en diminuant jusqu'au dixième mois. Amen. Point. L'une dixième mois. C'est fort, c'est fort. Le premier jour. Pourquoi autant de précision? Nous partons et nous allons. Le premier jour du mois. Apparu les sommets des montagnes. Quelle montagne apparaît? Amen. Ta gloire apparaît. Amen. Ta capacité apparaît. Est-ce que tu vas lever la voix et prier? Et la tête nous allons dire. Ce mois sera le mois de ma révélation. La vraie capacité en moi. Ce qui est en moi. Le Seigneur me révèle. Je suis étoile. La lumière pour ma famille. La lumière pour ma nation. Thank you.
Et le jugement
élève certaines personnes et abaisse d'autres. Alléluia, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc ne juge pas le Dieu, viens nous élever, nous les enfants de Dieu. Donc l'activité Esther s'est révélée au 10e mois. Désormais les montagnes apparaissent le 10e mois. Alléluia. Et si vous continuez la lecture de la Bible, vous allez voir qu'il y a eu des grands jugements dans la parole de Dieu le 10e mois. Le fameux jugement contre Pharaon a eu lieu le 10e mois. Vous voyez Israël a eu en captivité. Alléluia. L'armée de Babylone est rentrée en Israël le 10e mois. Israël fait la rencontre. Alléluia. Amen. Amen. L'armée de Babylone est rentrée en Israël le 10e mois. Le diable lui-même. Alléluia. Avec un dragon qui a 10 cornes. Et à la fin des temps, la peste. Qui est l'incarnation de l'Antichrist. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que lui aussi porte 10 cornes. Alléluia. Le chiffre 10. Tu ne peux pas ne pas marcher avec ce chiffre. Tu vas faire une dernière prière. J'active le jugement de l'Éternel. Et puisqu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, j'ai déclaré que Jéhovah titre nous, le Dieu de ma justice, relève ma tête dans ce 10e mois. Et je prospère. Je prospère dans ce pays. Je prospère dans cette activité. Je prospère dans mon foyer. Prospère. Alléluia. Tu vas prendre. Alléluia. Comme on a dit, on va poser un hôtel. Si tu as amené de quoi poser l'hôtel, tu vas le prendre. Certains peuvent le faire demain selon ce que le Seigneur met sur ton cœur. Alléluia. Mais si tu es prêt pour le faire, on l'a annoncé le dimanche passé afin que voilà, chacun de nous reste en communion avec Dieu pour pouvoir le faire. Si tu as compris, dis-moi Amen. C'est pourquoi tu vas lever vers le Seigneur Sénat. Et tu vas déclarer au nom puissant de Jésus. Tu vas déclarer au nom puissant de Jésus que les écluses des cieux s'ouvrent. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus. 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 Que les décrets divins te fassent élever la tête. Et que tes ennemis tombent au nom de Jésus. Tombent au nom de Jésus. Tombent au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Ni par le manquement, mais au nom de Jésus, tu changes de nom et tu apparais comme une étoile. Déclare cela sur ta vie. In the name of Jesus. Seigneur, je déclare tous ceux qui de loin, vous de près,
Tu dis à toi en ce jour pour rentrer dans ce mois d'octobre. Seigneur, et qui pose des autels, je déclare qu'ils soient comme les montagnes d'Arara. Qu'ils élèvent leur tête au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée et de la façon dont l'arche de l'alliance s'est posée sur les montagnes d'Arara. Je déclare que ta gloire se pose sur leur vie, que ta gloire se pose sur leur tête, que ta gloire se pose sur leur vie. Je déclare et je décrète, Seigneur, puisque tu les confirmes, l'élévation en ce jour, vous serez la tête et non la queue. Je change votre nom spirituel de Hadassah. Vous serez désormais des esters. Vous serez désormais des étoiles. Que vos étoiles pointent. Et que vos étoiles éclairent l'univers. Au nom puissant de Jésus, que les écluses des cieux soient ouverts sur vos vies. Décret du Dieu vivant. Vous serez la tête et non la queue. Oracle du Dieu vivant. Vous serez en haut et non en bas. Au nom puissant de Jésus, je déclare l'élévation soudaine. Je déclare que le Saint-Esprit vous conduit devant les rois. Quand Esther a été conduit devant Assyrus, vous serez conduit devant les rois. Vous serez conduit devant les rois. Vous serez conduit devant les rois. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Qu'il en soit ainsi. Et tout plan satanique de destruction, de mort sur la vie de quelqu'un est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Tout attaque, je rachète ton âme avec le sang de Jésus. Je déclare sur ta vie, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu confesseras les grandes œuvres de l'Éternel. Tu rendras témoignage de sa grandeur. Je le proclame sur ta vie, ainsi soit-il pour toi, au nom puissant de Jésus. Je prie. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu peux venir déposer. Que Dieu te bénisse. Tu peux commencer par dire merci à Dieu. Tu peux commencer par élever son Seigneur. Afin d'aller nous revenir rapidement.
pour le culte du dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous soutienne. Amen. Sa bonne main, c'est impossible. Alléluia. Nous sommes dans le premier jour de ce mois. Vous êtes une bonne fondation, de vos bons fondements pour ce mois. Vous n'allez pas les regretter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom puissant de Jésus. Bon, dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Alléluia. Donc maintenant, nous allons remercier nos deux pieds. Et nous allons recevoir la dernière bénédiction. Mais toi, sur tes deux pieds, nous allons recevoir. Shalom. Bye bye. Donc, à demain, soyons à l'heure.